la team. Yo 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 yo. Équipe, j'espère que vous allez bien. Bon voilà pour une nouvelle vidéo de Punta Cana. Du coup là ça va faire quoi, depuis la Colombie, ça fait combien de temps? Depuis la Colombie. Je me suis coiffé à Cartagena. C'était mardi. Mardi de la semaine dernière. Oh, le temps il passe vite, c'est incroyable. Et là, on est déjà jeudi. Donc, du coup, il y a un barbershop juste en bas. Juste en bas de mon hôtel, il y a un barbershop. Je vais aller faire un petit tour. Et ça donnera un avis. Deuxième édition à Punta Cana. Ce ne sera pas le même que l'autre barber où j'étais allé la première fois. Qui est un peu plus authentique, c'est vrai. Mais j'ai pas eu assez de temps d'y aller. Plus je dois ramener des tondeuses, mais j'ai pas eu assez de temps pour aller là-bas. Donc là, on va aller directement en bas au barbershop. Je vais demander à faire les contours rapidement. Un petit paper, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Es grande. Mira. Okay. Ahí ve. Ok. Ahí está. ¿Viste? Bien. Sí, está bien. Les gars, j'ai pas pris trop de risques, j'ai juste fait les contours et bon voilà quoi, ça va, il a essayé, mais j'avoue moi j'ai un front là, c'est chaud, c'est pas facile, mais j'ai gardé, j'essaie de pas trop couper parce que comme je vais aller à Dallas me coiffer par un barbeur qui fait des vraies coupes avec la sauce, j'ai préféré seulement faire les contours. Ouais, donc là il a fait un petit taper, mais bon alors, c'est approximatif, on va pas se plaindre, et voilà ce que ça donne derrière. Derrière il a fait les contours, là vous voyez c'est le barbeur en Colombie, je pense qu'il avait utilisé la lame. Voilà ce que ça m'a fait des boutons, comme quoi on vous dit, quand je vous dis que la peau les cheveux afro, la peau des afro, elle est super sensible. Voilà, ça c'est ce qu'il m'a fait. Voilà, je me suis contenté de ça. En tout cas, là j'ai payé combien, c'était 400 pesos dominicains et 6 euros. Donc ça fait 6 euros pour les contours, un petit taper sur le côté. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Après apparemment ici c'est beaucoup. Et je lui ai laissé un pourboire de 100 pesos dominicains. 100 pesos dominicains, c'est à peu près 1,50 euros je pense. 1,50 euros.
Deux pourboires, ça va. Je vais laisser un quart du prix de la coupe, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que si la coupe elle était à 20 euros, c'est comme si j'avais laissé 5 euros pour boire. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, juste les contours. Là, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, voilà. Moi aussi, là, ça commence à être dur. On dirait mes cheveux devant, ils poussent plus trop trop. Ah, les gars, on vieillit. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. C'était une petite courte vidéo en direct de Punta Cana. La prochaine vidéo en direct de Dallas avec un barbeur qui maîtrise, qui les coupe. Donc là, j'ai une semaine à peu près avant d'arriver à Dallas. Une semaine et un jour. Ça va laisser le temps aux cheveux de bien pousser. Et comme ça, on pourra faire encore une barber life. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ouais, il m'a même pas proposé de faire la moustache. Là, ma moustache, elle va pousser de ouf. Enfin bref, c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et me follow sur Instagram, Low Grooming Life ou Low-du-bas Barber-du-bas Academy. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients. Let's get it.